Konnichiwa, c'est Sekai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'un pack de 3 boosters Pokémon Soleil et Lune. J'espère que ça vous plaira. Allez, let's go! Bon, voici la bête. Hein? Voilà, une petite babette. Alors, c'est sympathique quand même. Avec, je me suis pris aussi des petites pochettes comme ça pour ouvrir les. Ranger les ultra rares. Voilà. Les 3 autres. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Voilà, voilà. Bon, allez, on commence direct. On va s'ouvrir ça. On va voir un peu ce que ça donne quand même. Hein? On sait jamais. Ça se trouve, on aura des belles ultra rares. J'aimerais bien, hein, que la dernière fois, le seul booster que j'avais, comme ça, bah, il y a eu un tirage de merde. Et là, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Ah, ah, si. Si, ça se touche en ciseaux. Mais oui. Mais oui, ça se touche en ciseaux. Ah là. Voilà, ça se touche en ciseaux. Ah. Du scotch. What? Et du scotch. Bon, d'abord la carte promo. Hein. On va essayer de pas l'allumer. Voilà. D'abord la carte promo. Ouh, elle est un peu tordue, mais c'est pas grave. Voilà. Belle carte promo. Avec le petit truc là, hein, pour dire que c'est une carte promo. Voilà. Petit booster. Enfin, non. Ça y est, ça commence. Non. Protège-carte noir et blanc, hein, voilà, pas deux, pas de noir et blanc 2, mais noir et blanc, hein. Voilà, allez, hop, voilà, hop. Voilà. Bon, allez, ah, on va montrer le petit jeton pile au face. Je sais pas si vous verrez bien. Bref, c'est écrit Pokémon en noir, ouais, voilà. Le petit Pikachu brillant. Sympathique, ça. Très sympathique. C'est le Pikachu de Pokémon Soleil et Lune, hein. Oui. Avec les graphismes de Soleil et Lune. Bien sympathique. Bon, allez, on va s'ouvrir quand même les 3 petits boosters. Je vais un peu les virer. Oh, putain, c'est quoi ce scotch? J'ai jamais vu ça. Ouh. Ah. Quand même propre. Putain. Voilà. Allez, on dégage. Voilà, on va montrer l'illustration quand même. Les 3 starters. Merde. Les 3 starters. Voilà. Pas petit 3 starters. Mon starter préféré, celui-là. Après, c'est celui-là. Et après, c'est celui-là. Ouais, celui-là, il est bof. Alors, si, on va me lâcher dans les commentaires, mais celui-là, il est bof comme starter. Pourquoi dire celui-là? Lui, il est plus, comment dire, joli. Enfin, magnifique. Lui, il est plus dans le... Voilà, et l'autre... Ouais, c'est un... C'est un Haro, quoi. Ou un faucon. Avec des faucons, voilà, ou Haro. C'est nul. Ou encore un robin, un Peter Pan ou un truc comme ça. Non, pas un Peter Pan, merde. Un Robin des Bois encore là, c'est long. On va commencer par, par celui-là. Non. Allez, let's go. Cette fois-ci, est-ce que je vais les ouvrir du premier coup? Ah bah ceux-là sont plus faciles. Bon. Un code promo, je le garde pour moi. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, et on commence. Alors. Passe. Ouais. Rapace de pique. Donc, il essaye de faire un petit vent violent, c'est sympathique. Flaméo. Un petit starter. Ouais. Il est joli comme ça sur sa petite pierre et tout là. Près de. À côté des falaises et tout. C'est bien ça. Manglouton. Pas content, Manglouton. Arachdo. Ouais, ça va. Petite énergie haut.
simple. Double énergie incolore, oh, ça c'est... Ouais. Draco, oh, elle est belle celle-là. Même si c'est une commune, elle est belle. Oh. Alteo, un petit dresseur, ouais. Oh, Cosmovum. En reverse, ça c'est cool. Ah, ça c'est magnifique. Et là, on a... Gros tas de morphs en holographique. Ouais, ça va, on a quand même une holo. Ça va, ça va. C'est déjà ça. Bon, allez, le deuxième. On va se faire celui-là. Hein. Archiduc. Ou Archiduc, comme vous voulez. Le petit code pour moi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, c'est parti. Hermia. Oh, elle est tellement belle celle-là. Oh, pas mal celle-là. Je n'y pense. Bacabou. Sympathique celle-là aussi. Nodit. Ouais, ça va, ouais. Cosmog. Nickel. On a Cosmovab, maintenant on a Cosmog. Et nickel. Petite énergie plante, ouais. Une Chronoball. Ouais, ça peut être bien. Géolite. Hyperball, encore une Pokéball, bah putain. Et là, on a quoi? On a quoi? Nous nous ressons en reverse. Attention, attention. Bazookan. Eh bien. De la merde. Putain. Putain, les boosters XY Impact des Destins, ils étaient plus chanceux ceux-là. Ah putain. C'est impossible à ouvrir ce truc. Arrête-moi ça. J'ai bien ouvert tout à l'heure, et là... Oh, me résiste ces putains de boosters, là. Ah, ouais, d'accord. Ah. Voilà. Oh. Petit code pour moi. Oula. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oula. J'ai senti en passant mon doigt, il y aura quelque chose, là. Plus, c'est pas n'importe quoi. J'espère qu'il y a quelque chose parce que j'ai senti avec mes doigts là. En passant, en faisant le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, allez. Mimantis. Ouais, elle est sympa celle-là. Elle est sympa. Tadmorv. Dalola en plus. Ça, c'est cool. En plus, il est sympathique, il est marrant. Il est beaucoup plus marrant que sa première forme. En forme Kanto, ouais. Togedemaru. Ouais. Ah, c'est pas un Pokémon assez attachant, mais ouais, sinon une petite bouille bien sympathique. Nous ourson, ouais, on passe. Vorastery, un de mes Pokémon préférés, sérieusement. Bien sûr, je préfère près de la série, mais lui, on... Vorastery, tip top comme Pokémon. Énergie Psy, ouais, bof. Scarabrut, sympathique, on garde toujours celle-là. Sbire de la Team Skull, ah, bah voilà, on a les sbires maintenant. Ah, c'est nickel. Crisacier. Elle est tellement bien, c'est tellement marrant celle-là. Poncho en reverse. Petit poncho, hein. Et... Ouh, pom, 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 allez. Noctali GX qui tombe. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Elle est mais tellement belle. En plus, c'est Noctali GX full art. Attention, elle est full art, cette carte. Elle est full art. Et ça, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Même si on en a eu qu'une sur trois, bah... Moi, je dis, mais... C'est une bonne ouverture, quoi. Bonne ouverture. En plus, avec la holo, là. La holo qui est tombée. Alors, je vais vous la montrer. Ouais, la holo qui est tombée, là. Gros tas de morts. Punaise. Moi, je dis, mais... Une super ouverture. Bah ouais, sérieusement. Attendez, on a ces trois cartes là. Excusez-moi, mais pour moi c'est la meilleure ouverture. Largement. Certes, c'est moins bien que la précédente que j'avais fait, où j'avais eu 3 ultra rares sur 4. Là, c'est pas grave. J'ai eu ce que je voulais. C'est nickel. Une GX. C'est nickel. Voilà. Et en plus de ça, je vais vous montrer un petit truc. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté aussi la carte promo
Arceus. Oui, petite promo parce que il y a le titre. Il y a la petite étoile avec écrit promo dessus. Avec le protège-carte Barisson de XY 2013. Certes, elle est pas très rare, mais ouais, elle vaut quand même assez cher quand même. Ouais. Mais elle est sympathique. Je l'avais pas en plus, donc c'est bon. C'est super. Voilà, bon bah, on va se laisser sur la fin avec les 4 cartes que j'ai eues. Ça, ça va être nickel. Voilà. On va le pisser comme il faut. Ah. Nickel. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous ne voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis bye bye, sayonara!